Alors que la nouvelle saison de la Star Academy touche à sa fin, les derniers élèves en lice semblent être éprouvés par la compétition. CST plus particulièrement Pierre qui inquiète beaucoup ces derniers temps. Après un problème de santé, le jeune chanteur fait désormais parler pour sa perte de poids évidente. Samedi soir prochain, les fans de la Star Academy connaîtront le nom du second finaliste. Après la demi-finale qui opposait Julien et Axel, ce sera au tour d'Elena et Pierre de s'affronter lors d'un prime qui s'annonce de haute volée. Le jeune élève de 21 ans part déjà avec un avantage suite à ses évaluations mais, comme cela a été prouvé la semaine dernière, cela n'est pas synonyme de victoire. En effet, Axel avait lui aussi été avantagé face à Julien mais s'était tout de même retrouvé éliminé. En attendant de connaître le résultat de cette nouvelle soirée, Pierre et Elena travaillent en tout cas d'arrache-pied pour être prêts. La semaine se révèle malheureusement compliquée pour le chanteur en herbe. Ces derniers jours, il n'apparaît pas en forme et même sujet à quelques pépins de santé. Pierre a par exemple eu bien du mal à suivre correctement le cours de sport de coach Joe tant son oreille était douloureuse. Il a même été pris de vertige, perdant l'équilibre par moments. Pierre pas bien du tout depuis plusieurs jours, la production alertée depuis mardi 23 janvier, CST un autre problème qui inquiète les internautes. À savoir, sa perte de poids selon eux flagrante. Avant après à l'appui, certains ont estimé que le beau blond s'était grandement aminci par rapport à son arrivée dans l'aventure, en novembre dernier. Et cela n'est pas pour leur plaire. La perte de poids de Pierre est impressionnante, je trouve vraiment la perte de poids de Pierre inquiétante entre le début de l'aventure et maintenant. J'espère qu'il n'a rien de grave, je trouve aussi qu'il semble avoir perdu du poids, peut-on lire sur X, anciennement Twitter. Et pour eux d'alerter la production de l'émission de TF1, Pierre a vraiment pas l'air bien du tout. Il a une tête fatiguée, il a des vertiges et toujours mal à ses oreilles. Je trouve aussi qu'il semble avoir perdu du poids. La prod faudrait peut-être s'en inquiéter, non? Elena, Pierre et Julien sont en tout cas, rappelons-le, sur la dernière ligne droite de la compétition. Après le prime de samedi soir qui déterminera qui de Pierre ou Elena sera finaliste, il ne restera plus qu'une seule et unique semaine de jeu. La grande finale est attendue le 3 février prochain.